L'art musulman se définit par la mise en lumière de la dimension d'amour et de ce que la nature nous offre de beau. L'islam de France, à travers des associations humanistes comme les Deux Rives, SMF et Humanim, permet à tout le monde, quelle que soit sa culture, sa croyance et son émotion spirituelle, de partager ce festival. Ainsi, la découverte des chants sacrés porte cette dimension humaine et intellectuelle dans un partage fraternel dont l'art devient universel. Pour cette année, on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est fait aider par des associations qui travaillent déjà sur Paris et qui connaissaient tous ces artistes. Ils nous ont aidés à les faire venir. Donc pour ceux qui sont venus chanter hier, Nazia Mefta, c'est une Marocaine mais qui vit à Paris, donc c'était facile de la voir. Pour le groupe Al Jaramani dont vous parlez, qui viennent de Syrie, eux vivent entre Lyon et Paris, donc c'était assez facile de les faire venir. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on a envie de faire venir des groupes qui viennent de plus loin, faire vraiment découvrir ce patrimoine. Et là, on va être confronté à ça, à aller chercher des artistes ailleurs dans d'autres pays de tradition musulmane. Yeah.
عن حسن